Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Lynn. On était un peu coincé sur le dernier niveau du chapitre 8, mais j'ai réfléchi un peu off et j'ai un peu une idée de comment y arriver. Donc on va aller voir ça tout de suite en jeu. Donc comme je vous le disais, on est sur le chapitre 8 et le dernier niveau. Je vous refais la petite cinématique. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois retrouver l'orbe de Renard et retourner vite auprès de mon frère. J'espère qu'il va toujours bien. J'ai envie de pleurer. Et si j'arrive trop tard? Sniff, sniff. Non, ce n'est pas le moment de pleurer. Je dois continuer. Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. J'ai un petit rêve maintenant. Un jour, je veux voyager au-delà de mon village et voir le monde. Si je peux retourner à mon village, ça me sauve. Donc, j'étais un peu coincée sur ce niveau-ci. Donc en fait, j'ai réfléchi un peu et l'astuce est tout simplement de profiter du fait que le monstre ici est là. Pour pouvoir d'abord bouger le feu follet, et ensuite on va déjà pouvoir s'en sortir un peu mieux. Donc toujours nos petits trucs compliqués avec Lynn et l'imitatrice. Il faut tout de suite que je casse ça comme ça. Voilà. Et maintenant, ce que je veux, c'est qu'on remonte. Les deux dans l'idéal. C'est pas ce que je voulais faire. Ça, on va bloquer l'imitatrice. C'était plutôt comme ça. Voilà. Donc voilà, les deux ont fusionné. On va pouvoir essayer de libérer cette sortie. Donc bien évidemment, là, tout simplement comme ça, ça ne passe pas. Donc on va chercher le feu follet. Je vais très bien ce feu follet là, à l'abri, histoire qu'il ne se fasse pas boulotter et qu'on puisse... Non, Lynn. Oups. Lynn, reviens. C'est pas ça que je voulais faire, Lynn. Tu vas te faire boulotter là. Est-ce que je peux faire revenir Lynn? J'ai pas vraiment l'impression. Hein. C'est un peu le souci de ces téléporteurs, c'est qu'une fois que t'es téléporté, tu peux forcément revenir. Bah, tant pis pour moi, on va recommencer. On était bien parti. Je suis désolée. Donc, on a dit, on profite de ce monstre-ci pour bloquer le feu follet ici. Comme ça, on bloque la téléportation, qui était ce qui nous posait le plus souci. Ensuite, on va essayer de fusionner nos amis. Donc, hop. Je récupère Lynn. Ensuite, on va pouvoir récupérer l'imitatrice. J'y arrive pas, hein. J'ai envie de l'appeler impostrice, mais ça n'existe pas, impostrice. Imitatrice. Pour récupérer l'imitatrice, tout simplement, il faut
que je puisse aller en dessous d'elle. Pas comme ça. Ça peut marcher aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va pas faire de bêtises. Il faut que Lynn soit de nouveau à l'abri. Donc, on va la mettre par là. On va essayer de pas faire de bêtises. Je vais un peu décaler tout ça, histoire de pas faire trop de bêtises. Ça, je pense pas que ça nous servira. Donc voilà, ici on se retrouve comme ça, le feu follet ne peut pas bouger. Je vais libérer celui-là, mettre celui-ci là, c'est pas forcément ce que je voulais qu'il reste là. Oups, je l'ai fait dans le mauvais ordre encore. Et je me retrouve de nouveau coincé. C'est un petit peu relou là, ces téléporteurs. Je peux pas retourner dans l'autre sens. Bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ça. Ah, et on peut, c'est bien ce que je me souviens. On peut pas trop annuler non plus. Alors, si je fais ça, il va ici et il se téléporte. Et ouais, j'ai le souci que du coup, le téléporteur est coincé, donc je me suis de nouveau coincé. Je vais y arriver. Forcément, c'est le dernier niveau, ça demande un peu de réflexion. Excusez-moi. Donc, on a dit qu'on mettait ce feu follet ici. Qu'on mettait le monstre là. Et qu'ensuite, on essaie de s'arranger avec nos amis. Voilà, comme ça, ça va déjà un peu mieux. Remonter et qu'elle puisse pas redescendre. Voilà. Et ensuite, qu'on puisse. Voilà. Donc on va laisser Lynn ici. Et ensuite, on va essayer de pas faire de bêtises. Donc on a dit, le monstre, il faut qu'il se téléporte. Mais j'aimerais bien mettre ce feu follet ici, un peu à l'abri. On va essayer de pas faire de bêtises. Parce que je la sens venir, la bêtise où je vais manger accidentellement mon feu follet. Voilà, je remets ce feu follet ici, on va essayer au maximum. Donc voilà, s'il n'y a pas de feu follet, il avance. Je prends celui-ci, et je me retrouve coincé parce que j'ai encore pas fait ça dans le bon ordre. Je vais y arriver. Faire ça. Si je fais ça, le monstre va là et il est téléporté ici.
Sauf que du coup, il n'y a pas de feu follet là. Et je me retrouve coincé pareil en fait, puisque Lynn va se faire boulotter. Décidément, j'y arrive pas. Hein. Ça commence à me gonfler un peu, je vous dirais. Parce que je vois comment faire, mais à chaque coup, je fais un petit mouvement qui va pas. Donc, on a dit ce monstre-ci, il va là. On a dit ensuite, on s'occupe de nos amis. Donc, on récupère Lynn. Hop. Et on la fusionne avec l'imitatrice. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, il s'agit de ne pas faire de bêtises comme j'ai fait les 45 fois précédentes. Donc, il faut qu'on ait un feu follet sur cette case-là pour que le monstre puisse sortir. Et il faut que j'éloigne ce feu follet-là pour qu'on se fasse pas boulotter notre feu follet. Normalement, ça devrait bien se passer. Sauf si mon feu follet il bouge comme je veux pas. Donc on fait attention. Il ne s'agirait pas de se faire boulotter notre feu follet alors que c'est pas ce qu'on veut. Voilà, là, mon feu follet il a aucune chance de sortir et aucune chance de se re-téléporter. Voilà. Donc. On va glisser Lynn tranquillement par là. On fait descendre cette pièce-ci qui nous intéresse pas. Et voilà. Donc maintenant, on est bon. Il faut juste pas qu'on se fasse boulotter par ici. Donc, je vais mettre les pièces qui m'intéressent pas là où elles ne m'intéressent pas. Sauf que non, je vais probablement me faire téléporter en fait. Zut. Qu'est-ce que j'ai loupé cette fois-ci? Ça me paraissait vraiment bon, mais en fait, je vais arriver ici, je vais me faire téléporter, je vais me retrouver de nouveau coincé. Oups. Ça me paraissait vraiment bon, et en fait, ça l'est toujours pas. J'ai aucun moyen de retourner dans le téléporteur dans l'autre sens. Me frustre vraiment ce niveau. Bah écoutez, on va recommencer. On va le faire avec l'aide, tout simplement. Même si la dernière fois, j'y arrivais pas avec l'aide. J'ai un peu vu comment fallait faire pour se débloquer. Donc on a dit l'aide. L'aide nous dit un feu follet ici. Le monstre là et l'imitatrice par là. Donc, je fais ça. C'était par ici, je crois. Comment je peux faire? Toujours un peu le souci de faire bouger l'imitatrice. Voilà, au niveau des pièces, je dois être pas trop mal. Au niveau des positions, peut-être pas. Mais au niveau des pièces, on n'est pas trop. Ensuite, l'aide nous dit, notre monstre a pas bougé, nos deux feux follets sont sur les pièces du haut, et Lynn a été fusionnée. Donc on a un feu follet ici, qui m'arrange pas du coup. Voilà, on fusionne Lynn. Est-ce qu'on l'a... Oui, on l'a fait ressortir. Donc je te refais ressortir. Et du coup, j'imagine qu'il faut qu'on fasse comme ça, puis comme ça. Niveau
tes positions, je suis pas bonne, mais au niveau des l'emplacement de chaque personne, on est pas mal. Ensuite, les feux follets ont disparu et notre monstre se retrouve dans une pièce comme ça. Et aussi, celui-là a bougé également. Ok. Donc, faut bien faire bouger celui-là également. Sachant que Lynn se retrouve dans... Oui, dans celle-ci, avec le téléporteur, mais sans être téléportée. C'est-à-dire qu'elle est arrivée par là. Ça paraît la partie simple. Mais quelque chose me dit qu'il y avait des choses à faire avant. Parce que du coup... Je y arrive vraiment pas. Pourtant. Donc on a dit ce feu follet là, ce monstre ici, et on a dit qu'il faut faire descendre l'imitatrice. Quand je la fais descendre. Voilà, comme ça. Du coup, je vais mettre exactement pareil au niveau des positions également, pour être sûr. Donc, Lynn en haut, l'imitatrice en bas. Un feu follet ici et là. Et en fait, on décale tout. Hop. Et ça, on décale comme ça. Pour la deuxième étape, on a plein de monde en haut et plein de monde en bas. Donc, on a dit, les feux follets se retrouvent tous en haut, dans ce genre de pièce. Ah, donc, on va fusionner Lynn. On va pouvoir remonter, je pense. Et on va pouvoir... amener notre feu follet. Hop. Peux-tu bien te téléporter? Merci. Voilà, là on est comme la deuxième aide. Et la dernière aide, puisque c'est bien la dernière, nous dit qu'il faut Lynn ici, le téléporteur là, ce monstre ici et ce monstre là. Selon toute vraisemblance, je sais pas si c'était une bonne idée ça. Retourne d'où tu viens, Lynn. Je vais la laisser là. On va voir si c'était une bonne idée ou pas. Voilà. Quelque chose me dit que non. Hein. Quelque chose me dit que c'était pas une bonne idée. Non, je suis désolée, je n'arrive absolument pas à ce niveau, ça fait déjà 20 minutes qu'on est dessus, même avec l'aide, je suis complètement désolée, hein, je vais m'arrêter là. Si j'arrive à me débloquer, on fera les autres chapitres, mais là, je n'y arrive pas du tout. Je m'excuse d'avance, hein, je suis désolée pour cet épisode un peu long sur le même niveau. En tout cas, j'espère que le jeu vous plaît. Moi, il me plaît. Même si là, je vous avoue, 20 minutes sur le même niveau, je vois pas en fait. J'ai eu du mal à voir l'astuce du début et je vois pas du tout l'astuce de la dernière étape. Même avec l'aide, je me fais bouloter à chaque fois. En tout cas, je vous dis merci à tous d'avoir regardé et bye bye!